vois, ma fille chérie, c'est le personnage qui est là. Et le sultan tient absolument à savoir la cause de son chagrin. Et qui puis-je, moi qui ne le connais même pas? Je vais te présenter à lui à l'instant. Le connaîtrais-je mieux pour cela? Tu sauras trouver les mots qu'il faut, n'est-ce pas, Dinarzade? Que de fois ne m'as-tu pas tiré d'embarras? Si j'ai quelque autorité, n'est-elle pas due au rayonnement de ta tête claire? C'est là que commence la sagesse du royaume. Mon père, vous vous moquez? Il ne dit que la vérité. Allons, grâce à toi, le sultan sera content de ton pauvre père. Je ne te promets rien, je promets pour toi. Allons, viens. Sire, voulez-vous me permettre de vous présenter ma fille, Scheherazade? Princesse? C'est une grande liseuse. Elle aimerait prendre un livre dans la bibliothèque. Mais votre fille est partout chez elle, au palais où je ne suis qu'un intrus. Oh, sûr. Oui. J'étais venue chercher un livre de contes que je ne connais pas encore. Il est de Hafiz Salem Haz. Je sais que vous lisez beaucoup, princesse. Oui. D'ailleurs, votre père vient de me le dire et je ne vous apprends rien. J'aime nos conteurs. Rien ne leur semble impossible. Ils nous mettent tout le ciel à portée de nos mains éblouies. Ah, je voudrais pouvoir lire aussi. Vous êtes trop occupé? Ou trop préoccupé. Je suis condamné à lire et à relire dans ma cruelle pensée. Voulez-vous me permettre de chercher par là? Oh, pardon. J'obstrue le passage de tout mon corps important. C'est moi qui m'excuse, sire, de passer devant vous. Il y a par là quelques précieux manuscrits que je ne connais pas encore. Oui, princesse. Je voudrais pouvoir abandonner entre les pages d'un beau conte mon nez pointu, mes yeux de bœuf, mon corps sans grâce. Oh, sire. Si j'avais un visage comme le vôtre, princesse, ou comme celui de mon frère bien-aimé, je le contemplerais un instant le matin dans la glace et j'en serais sans tristesse pour le reste de la journée. Rien ne doit vous tenir compagnie comme votre propre beauté. On a vite fait le tour de son pauvre visage humain. Pardon. Vous me comprendriez mieux si vous étiez faite comme moi. Je vous demande pardon de cette grotesque supposition. Si j'osais, je conterais l'histoire de l'homme qui se croyait laid. Il s'agit bien de contes, hélas. Princesse, je vous en supplie, ne passez plus devant moi, ou je ne pourrai plus garder mon secret. Il tombera à vos pieds comme une grenade pourrie. Décidément, je ne trouve pas le livre que je cherche. Princesse! Je partais. J'avais déjà dit adieu à ma femme bien-aimée. Quand au sortir des remparts, j'éprouvais le besoin de l'embrasser encore une fois. À peine entré dans mon palais, à la clarté des flambeaux qui ne s'éteignent jamais dans la chambre des princesses, je vis dans ses bras, par la porte ouverte, le dernier des officiers de ma maison. Et je les vis tuer tous deux, dans mes draps. Princesse, pardonnez-moi de vous avoir infligé un secret orné d'une tumeur affreuse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Grâce à vous, je me sens un peu moins malheureux. Et même un peu moins laid que tout à l'heure. Venez voir l'épouse du sultan. Je suis sa mère, monsieur le chef des eunuques. Quand le sultan...
sultan l'a-t-il épousée? Mais c'était avant-hier, monsieur le chef des eunuques le sait bien. Oh, il fallait un grand roi pour boire ainsi à la coupe même du peuple. Je suis la mère de la sultane et je venais voir ma fille. Comment osez-vous dire, mais c'est moi qui suis la mère de la sultane de la vraie? Puisque je vous dis que c'est moi. Le sultan! Le sultan honore tout autant une jeune personne en la prenant pour favorite que pour sultane. Pourquoi donc, monsieur le chef des eunuques? Quand le chef des eunuques dit que c'est changé, cela veut dire qu'il ne faut pas poser de questions vraies. Je voudrais du moins savoir si ma fille se porte bien. Vous devez faire confiance au sultan, hein? Je suis la mère de la nouvelle sultane. Grand bien vous fasse. C'est manquer de respect à la mère de la sultane que de lui dire grand bien vous fasse. Allons, nous en allons. Ce que j'ai entendu doit être vrai. Il ne faut pas faire attention à ces ragots. Qu'est-ce qu'on raconte, mademoiselle? Allons-nous-en, maman, je ne veux pas rester ici. Mais ma petite, tu vas pas pousser un destin magnifique pour des craintes absolument folles. Tu seras sultane. Je serai mère de sultane. Et ton pauvre père, tout infirme qu'il est, avec ses pauvres jambes qui ne vont pas du tout, sera le père de la sultane. À moins que vous soyez tous les deux dès demain les pères et mères d'une morte. Oh, oh. Allons-nous-en, maman. J'ai peur de vous. Nous voulons voir nos filles! Nous voulons voir nos filles! Nous voulons voir nos filles! Quel est ce bruit? Chut! Les mères ne savent rien encore. Mais regardez-les donc, est-ce qu'elles ont l'air de ne pas savoir? Les plus dignes des filles ne sont plus bonnes que pour une nuit de débauche et une aube d'horreur. Je vais leur parler. Je vais aller avec toi. Chérie, laisse-moi seule un instant. Sois prudente, ma fille. Sois tranquille, mon père. Ah, voici la princesse Scheherazade. Bonjour, mesdames. Avec la princesse Scheherazade, on peut s'entendre, elle ne nous a jamais trompés. C'est la plus limpide perle du royaume. On dirait qu'elle sort à l'instant même du fond scrupuleux de la... Princesse! Nous étions venus voir nos filles. Et vous ne pouvez les voir aujourd'hui encore, pauvre maman. Je vous demande de me faire confiance. Mais princesse, tout nous porte à la plus cruelle méfiance. Sachez que je ne vous abandonne pas, je pense à chacune d'entre vous. Et peut-on savoir comment vous pourrez nous aider? Je vous supplie de patienter encore un peu. Mais princesse... Si ma fille que le sultan épouse cette nuit. Vous vous taisez maintenant, princesse? Vous n'avez rien à dire. Vous êtes bien tranquille, vous, sur votre socle de fille de vizir. Vous savez qu'il ne vous arrivera rien, et que le sultan a besoin de son grand vizir, et le grand vizir de sa fille, et sa fille de ses belles robes, et de son altruisme qui lui va si bien. Je vous pardonne votre méchanceté en hommage à votre angoisse. Grand merci pour l'hommage. Vous pouvez quitter le palais tout de suite avec votre mère. Je vous ferai sortir par une porte dérobée. Vous feriez cela pour nous, vous ne connaissez même pas? Je le fais pour mon sultan. Mais quand on s'apercevra de notre fuite? Je prends tout sur moi. Est-ce qu'on ne va pas nous rattraper quand nous serons échappés? On ne s'apercevra de rien avant une heure. Dépêchez-vous de quitter la ville. Il faut qu'elle soit bien puissante pour faire ça. Je suis sûre qu'elle pourrait nous faire voir nos filles. Si vraiment on peut les voir. Mesdames, vous ne pouvez demeurer plus longtemps au palais. L'audience est terminée. Par ordre supérieur, vous pourrez voir vos filles dans 8 jours. Et nous les verrons vraiment? Comme je vous vois, mesdames, comme je vous vois. Je m'excuse de ce que je vais dire et je vous supplie de n'y voir que le témoignage du grand respect que je vous dois et le souci de votre bonheur personnel. Alors ça... C'est le style tout à fait officiel, ma petite Scheherazade. Je n'ai jamais vu d'aussi graves paroles sur vos lèvres pleines de cérémonie. Qu'y a-t-il donc, bel enfant de mon palais? Grand roi, puis-je parler librement? Bien sûr. Tu sais que nous sommes de vieux amis tous les deux, ma petite Scheherazade. Sire. On dit que... Pourquoi ce trouble? On dit que... Mais que dit-on? Oh, sire, que certaines de vos femmes disparaissent à jamais. Mais peut-on m'imputer un crime de les avoir envoyées faire un tour en province? Parce que j'en avais assez de leur chat. Oh, sire, on parle de faits irréparables. Et si on parlait quand on devrait se taire? Qui est calife ici? Qui est le commandeur des croyants? Est-ce toi, petite fille? A-t-on chargé la plus jolie fille du royaume de me rappeler que j'ai été ignominieusement outragée? Alors que vous étiez, sire, le meilleur et le plus compréhensif des sultans, vous avez été trahi de la façon la plus infâme. Oui. D'ailleurs, ma vengeance ne fait que commencer. Elle se poursuivra ma vie durant. Elle a pris un élan perpétuel et ne regarde que moi. N'aime pas quelqu'un qui a l'audace de vous aimer?
Et comment est-ce innocente quand on aime? Est-ce une grande douceur très affairée, très importante, comme disent les connaisseurs? Mon amour est malheureux, il n'est pas partagé. C'est une déclaration. C'est si sérieux que je rêve d'être votre épouse. Rien que cela. Sire, je veux être celle qui risque. Non, non, il ne s'agit pas de risque, il s'agit de mort, certaine. Alors je veux être celle qui meurt, fille de grand vizir, je veux donner l'exemple. Tu le veux. Rien ne me serait si heureux. Allons, 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 mon enfant, allons, 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 allons. Mes ordres sont sans pitié, tu ne sais ce que tu me proposes. Vous me méprisez, vous me trouvez trop frêle, trop pâle, trop menue, trop blonde, trop peu de choses. Une plume dans l'air, un grain de sable dans le grand désert féminin. Mais ça c'est vrai, petite fille, là, je ne puis te prendre au sérieux. Là. Vous me connaissez mal, je n'ai pas peur, je connais votre édit, je l'affronte. Tu crois que rien ne t'arriverait, orgueilleuse, hein? Parce que tu es chez Razade. Et que je ne saurais plus quand il s'agit de toi donner l'ordre de mort. Ça, je te vois venir, tu veux te mettre en travers de mon décret. Je ne demande qu'à suivre la loi commune. Je te le défends, tu m'entends? Je te le défends. Ou plutôt, puisque tu n'es plus une petite fille, je te prends au mot. Tu seras ma maîtresse. Ma vraie. Ma secrète maîtresse. Une maîtresse cachée, même pour mes eunuques. Et je prendrai conseil de toi pour régner. Tu seras mon véritable grand vizir. Ne l'es-tu pas déjà par personne interposée, toi qui souffles à ton propre père les avis qu'il me donne? Sire, ne puis-je vous souffler de m'épouser? Ah non, 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 enfin non, non. Non, je veux que ton amour soit à l'abri de tous les décrets. Vois-tu, Scheherazade, tu m'appelais depuis longtemps. Les autres femmes sont brunes, fortes, avec de gros yeux noirs, de ruminantes et de fortes poitrines. Quand j'en ai une dans ma couche, j'ai l'impression que j'en ai des douzaines. Je ne sais plus de quel côté me retourner pour avoir la paix. Alors, la vie ou la mort de ces quelques femelles, toutes pareilles, ne me dérange pas plus que la chute des feuilles en automne. Écoute-moi bien, ma chérie. Je viendrai ce soir dans ta chambre. Comme un voleur, je ferai main basse sur toi. Tu n'auras qu'à mettre la clé. Là, dans cette cachette seulement connue de moi. Je ne mettrai pas la clé dans cette cachette. Ah bon? Eh bien, suffit. L'audience est levée. Dites au grand vizir de m'apporter le décret des sultanes. Je veux le rendre public. Voilà ce qu'aura obtenu votre intervention. Adieu, je n'ai plus rien à vous dire pour le reste de mes jours. Adieu, sire. Sire. Vizir, donnez-moi le décret des sultanes. Pardon, mon frère, je voudrais... Tiens, tu étais là, toi? Tu ne semblais pas t'avoir convoqué aussi. Je me suis permis d'accompagner le grand vizir pour te faire humblement une requête. Hein? Oui, je fais appel à ta grande bonne volonté, à ta patience. Oh là, ça je te préviens, mon frère. Tu me trouves en ce moment sans un seul grain de patience, sans un atome de ce que tu appelles sottement bonne volonté. J'aime à croire que ce que tu as à me dire n'a rien à voir avec le décret des sultanes. Hélas, hélas. Oui, tes mains gardent tes hélas dans leur réservoir. Et vous, vizir, donnez-moi ce décret signé. Mon frère, tu sais ce que tu représentes pour moi. Je ne suis que ton vassal, mais ayant été moi-même outragé... Ah, c'est ça, alors on se compare à moi maintenant en toute sérénité. On se hausse sur la pointe de ses petits pieds pour me donner des conseils. Mais non, mon frère et sultan. Tais-toi, moustique. Et vous, vizir, donnez-moi ce décret que je lui donne femme de loi. Vas-tu te taire? Ce papier est plus pressé que toi de prendre publiquement la parole. Sire. Rassurez-vous, vizir, je ne prendrai jamais une de vos filles pour épouse. Oh, je sais en quelle estime très personnelle le sultan veut bien me tenir. Voilà, vizir, allez me chercher le chef des eunuques.
Et toi, Chassaignon, je te défends de prendre cet air égaré. Tu n'es pas dans un bois ici, mais dans mon palais. Alors souris, que diable! Et bonsoir. Allez dans la chambre des princesses, dites à la nouvelle sultane de venir. Sire, 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 ne me faites pas couper la tête, sire. Sire, daignez m'accorder votre pardon, c'est moi qui ai fait échapper la nouvelle sultane. Je ne te crois pas, tu n'aurais jamais osé. Sire, voici la clé de la porte secrète. Misérable, tu seras traité en conséquence. Fouille-la, vois si elle n'a pas d'autre clé sur elle. Je n'ai pas d'autre clé. Ne la touche pas, la cause est jugée. Enferme-la dans la chambre des princesses à la place de celle qui l'a fait échapper. Oh, sire, je serai donc sultane? Et morte demain à l'aube, tu as séché en moi toute pitié. Puis-je dire un mot? Oui, du fond de ton suaire. Oserais-je demander en grâce que cette nuit ma sœur Dinarzade couche au pied de notre lit? Oh, la demande est pas trop stupide. Oh, sire, pour cette seule et dernière nuit. Vous savez ce que Dinarzade représente pour moi? J'écoute avec ses oreilles, elle parle avec ma langue, je cherche un objet. C'est elle qui le trouve, c'est moi qui cours, c'est elle qui arrive. Ma main est au bout de son bras et son pied obéit à ma cheville. Que tes mains rentrent dans le rang. Quand je regarde dans mon miroir, c'est son image que je trouve. Puisqu'il s'agit d'un caprice, pour ainsi dire posthume, je veux bien y céder. Oh, sire, soyez-en remercié. Et ma sœur pourrait venir dès maintenant avec moi dans la chambre des princesses? Oui, sultane d'une seule nuit. Enfermez-les toutes les deux dans la chambre des princesses. Dinarzade, je serai sultane et j'ai besoin de toi pour sauver les autres filles du pays. Sauver? Elle a déjà toute une jambe dans la tombe et elle parle de sauver. Cette nuit, quand tout sera dans le silence après la bataille amoureuse, tu m'appelleras d'en bas et tu diras: ma sœur, si vous ne dormez pas, dites-nous un de ces contes que vous savez que j'aime tant. Si elle s'imagine la sotte que ça lui évitera le bourreau. Je sais de si beaux contes. Je ne crois pas aux contes. Le sultan ne les connaît pas, et je les dirai de telle façon qu'il voudra toujours savoir ce qui va arriver. Ce qui va arriver, tu le sauras demain à l'aube et à jamais. Oh, Sinbad le marin, toi qui fis de si profonds voyages dans tous les pays de l'espérance, tu viendras à mon secours. Tu peux toujours compter sur lui. Oh, lampe d'Aladin, toi qui exauces trois vœux, je ne t'en demande qu'un seul. C'est un de trois. Vous viendrez à mon secours, vous les effrits qui savez changer la colère en larmes et les larmes en arc-en-ciel. Je ne crois pas aux effrits. Et toi, cheval volant, qui tire les princesses infortunées des situations les plus cruelles, tu me prêteras ton galop dans le ciel sans poussière. Tu écouteras l'appel de Scheherazade à l'univers visible et invisible. Je ne crois pas aux chevaux volants, je ne crois pas à l'univers invisible. Alors n'oublie pas, Dinarzade, de me dire: ma sœur, si vous ne dormez pas, ma sœur, si vous ne dormez pas... Complice. Et c'est à toi qu'elle voulait jouer ce tour de femelle. À moi, qui me méfie maintenant de tout ce qui est féminin, même des objets inanimés, la table, la chaise, la couche nuptiale. Je ne suis séparée de la mort que par l'épaisseur d'un conte, mais cela me suffit pour faire confiance à la vie. C'est ce que nous verrons. Vaniteuse, trompeuse comme les autres. Hein, tu voulais m'attirer dans un traquenard avec ta sœur dès la première nuit. Fais-moi venir Abdelmalek tout de suite. Abdelmalek? Ouvre la porte pour qu'elles entendent. Demain, à l'aube, tu viendras chercher la sultane Scheherazade pour lui couper la tête. Bien, sire. Je veux mourir en plein espoir. Je ne regrette pas la vie. Mourir avec des yeux qui brillent de tous les feux de 18 ans. Mourir comme on se déshabille pour la nuit sans fin qui descend. Maintenant, Scheherazade, oublie tout ce que j'ai dit. Tout ça ne sera vrai que demain. Et demain, c'est si loin, c'est comme sur une autre planète. Oui, sire.
Nous avons devant nous toute une nuit étoilée faite pour donner accueil à un amour sans limite. Oui, une nuit vaste, échelonnée comme toute une vie. Elle tirera sa grandeur de ce qu'elle sera unique. Oui, unique, incomparable. Ah non, pas incomparable, unique, au sens le plus solitaire du mot. Oh, mon sultan, le plus beau de mes contes. Je pense à toutes ces femmes qui n'auront pas connu leur vie durant une seule, une pauvre nuit d'amour. Aucune n'en aura imaginé une de la même étoffe que la nôtre, Scheherazade, entourée de forces si redoutables et si douces. Montons à notre citadelle. Pour l'amour, je tiens à me rapprocher du ciel. De là-haut, de notre rocher de soie, les mots de nos lèvres retomberont mollement sur toi, Dinarzade. La nuit qui peigne ses cheveux, y coule des bijoux précieux. Sire, voici l'aube. J'attends vos ordres. À demain. Et il a suffi du léger fil d'un conte pour te retenir à la vie, ma sœur bien-aimée. Mais voilà 100 jours que le décret du sultan n'est pas appliqué. Bien que chaque jour, le bourreau, à l'aube glacée comme son sabre, se présente devant la chambre nuptiale. C'est devenu une simple formalité. Et tu ne dis rien de toi qui me seconde si généreusement. Moi, je suis seulement celle qui couche sur un petit tapis. Alors que toi, lucide croissant dans le ciel du grand lit nuptial, tu endures là-haut toute la fureur de son décret. Mais je n'ai aucun mérite. Le sultan est très bon pour moi. Et mon amour pour lui a envahi la pulpe même de mon cœur. Scheherazade, viens. La voilà. La voilà celle dont nous rêvons. Oh, laissez-moi baiser vos mains en l'honneur de votre 100e nuit. Vous, la sainte des épousailles. Nous voulons vous voir de près, vous chérir de près, vous qui avez arrêté le bras du sultan. Nous nous aimons, le sultan et moi, et je suis enviée entre toutes les femmes du royaume. Oh, lumineuse, oh, toute blonde parmi nous. Vos cheveux ont été certainement touchés à votre naissance par quelque baguette surnaturelle. Laissez nos doigts se dorer au soleil de vos cheveux, et aucun malheur ne pourra plus nous atteindre. Mais je n'ai rien de magique, heureusement, mes amis. Je ne suis qu'une des vôtres, une femme parmi les femmes.
Imposez votre main sur notre front. Comme ceci? Comme cela? Allons, vous êtes folle. Nous vous apportions les portraits des victimes du funeste Teddy. Approchez, elle vous comprendra. Avancez. Sans vous, nos filles seraient comme elle, rien que des mortes. Vous souvenez-vous? C'était mon tour et j'avais si peur. Et puis c'était le tour de celle-ci, puis de celle-ci. Celle-ci avait 16 ans. Celle-ci 19. Et celle-là 14. Nous voudrions que vous gardiez ces portraits. Nous sommes un peu mortes en elles, comme elles vivent un peu en nous. Et sans vous, notre sultane, nous ne serions plus qu'un souvenir. De la peinture pour morte. Merci, grande sœur. Laissez-nous vous appeler ainsi. Mais quelle est cette invasion? Que veulent ces femmes chez Razade? Elles étaient venues me voir. Ah! Et que sont ces portraits? Des souvenirs de famille. Elles ne sont pas du tout déplaisantes. Mais surtout celle-ci. Ah, et celle-là, on peut lui dénier un air de joyeuse santé. Je suis sûr qu'elle doit manger des bonbons toute la journée. Mais laissez donc, venez. Mais pourquoi veux-tu que je vienne? Enfin, ça m'amuse. Tiens, regarde, non, mais regarde celle-là. Regarde comme elle a l'air sérieux. Allons, allons, mademoiselle. La vie n'est pas si grave, n'est-ce pas, Scheherazade? Ça m'amuse énormément. D'autant plus que... Oh, mais... Où diable ai-je déjà vu cette tête-là? Ça n'est pas possible. Mais qu'importe ces portraits, sire. Ça n'est pas possible. Qui a osé exhumer ces femmes dans mon propre palais? Mais sire, pardonnez-leur, elles étaient venues voir votre sultane. Leur grande sœur, comme elle l'appelle. Elles étaient simplement venues la saluer. Mais qu'elle remporte ces portraits. Longue vie à Scheherazade. Mais oui. Longue vie à Scheherazade, à notre chère sultane. Je n'arrête pas de le proclamer. Je n'ai jamais connu l'amour d'aussi près. Longue vie à Scheherazade. Silence, les mères. Ce n'est pas à vous de le dire. Je n'aime que la sultane Scheherazade. Je négligerais même pour elle toutes mes favorites s'il ne me fallait multiplier ma royale semence pour la grandeur et le crédit de l'État. Ô sultan, permettrez-vous une de vos servantes de vous exprimer un désir suppliant? Sire, ne rapporterez-vous pas votre décret de mort pour faire honneur à la reine Scheherazade? Mais pourquoi me nommer alors que c'est moi qui ai brigué l'honneur d'être la femme de mon sultan et que je l'aime de toutes mes forces? Faites confiance à votre sultan, comme il fait lui-même à la sultane Scheherazade. Faudra-t-il donc que chaque matin le bourreau se présente le sabre nu et attende? Ne savez-vous donc plus tenir votre langue? Et si un matin le sultan oubliait de dire au bourreau de se retirer? Je n'oublierai pas. Chaque jour, j'aime Scheherazade. Pardonnez-moi si je ne puis vous retenir davantage. Je penserai à vous. Longue vie à Scheherazade. Une chose me stupéfie, Scheherazade. Comment ai-je toléré si longtemps les reproches si peu voilés de ces femmes? Il est grand temps que je fasse acte d'autorité, pendant que mes blessures ne connaissent pas encore le repos de la cicatrice. Oh, sire, je voudrais pouvoir tenir votre cœur entre les mains pour le guérir. J'aime tes mains qui te précèdent quand tu parles. Elles annoncent ta pensée et les mouvements de ton cœur. Et ces pauvres sourdes-muettes qui ne se doutent pas de l'intérêt que vous leur portez. Et maintenant, ont-elles compris? Bien sûr, elles ne sont pas idiotes. Chérie, l'une, l'autre, l'une. Quelle joie, mon frère bien-aimé, de te voir rendre justice à ton épouse. Égarée parmi les femmes du sultanat comme une pierre précieuse parmi des cailloux. Oui. N'oublie pas que Dinarzade aussi est un diamant bien taillé. Ah, bien sûr. Mais je ne parlais pas d'elle parce qu'elle est là. Ah bon? Alors, Scheherazade, elle n'est pas là. Certes. Tu sais, je suis la gaucherie même. Chazaignan. Tu manques de confiance en toi? Non, je veux te guérir de cette infirmité qui fait boiter ton bonheur.
La nature t'a fait, mon frère, ça n'est pas assez. Je vais donner un coup de pouce à la nature. Je te veux aussi mon beau-frère. N'est-ce pas, Dinarza? Sire. Connaissant ton attachement pour moi, je te donne, sans autre préambule, ma belle-sœur pour épouse. Et elle est belle, dévouée à sa sœur comme tu l'es à moi-même. Accepte-la pour femme sans scrupule déplacé. N'en ai-je pas assez dit? Ah ben, ton mutisme me stupéfie. Tu es la plus raide, plus infranchissable que le granit de tes montagnes. Ah! Ah, quel honneur tu me fais là, bien sûr. Voilà qu'on m'offre la belle-sœur de mon frère, l'exquise Dinarzade. Parbleu! Tu consens enfin à prendre la parole et c'est pour dire parbleu. Laid comme je suis, il faut donc que tu me cherches une femme et que tu me l'offres par-dessus le marché sur le plateau familial. Oui, d'abord, tu n'es pas laid. Tu n'es pas laid. N'est-ce pas, Dinarzade, qu'il n'est pas laid? Là, tenez, là, vu d'ici, sous cet éclairage un peu tamisé, il est même presque beau. Non, ça, je t'assure, il n'y a vraiment pas de raison sérieuse pour qu'on ne te trouve pas beau. Merci, mon frère, tu es charitable. Au reste, un sultan comme toi et le frère du sultan que je suis ne peut pas être laid. Un souverain est forcément beau. La grandeur, la majesté l'habite. Hein? Alors, mets-toi ça dans la tête. Si j'avais eu des doutes sur mon physique, tu m'aurais largement éclairé. Tu n'es jamais content. Ouais, quoi, je me donne du mal pour te faire plaisir. Je cherche des arguments. Il faut bien dire qu'ils ne sont pas commodes à trouver. Et tu m'en rebutes. C'est incroyable. Enfin. J'ai eu tort, en effet. Tu as fait un grand effort de gentillesse pour plaire à ton vassal. Ben alors, de quoi te plains-tu? Est-ce que je peux faire mieux que t'offrir ma belle-sœur pour épouse? Non, c'est... Alors? Oh non, 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 ça vraiment, mais vraiment... Si j'avais pu penser un seul instant que tu allais bouder à ce royal cadeau, et surtout devant Dinarzade... Pardonnez-le, c'est un rusto. Vous êtes une trop belle hirondelle pour ce montagnard pétrifié qui ne saurait vous saisir dans le plein vol de votre jeunesse. Sire. Si, c'est beaucoup trop exquise pour lui. Voilà qui est fait pour me donner confiance. Mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas dans tes états si tu ne te plais pas chez moi? Parce qu'il sait, sire, que vous le chérissez. Et malgré d'insignifiantes apparences, il est profondément heureux de se trouver auprès de vous. Bah alors qu'il le fasse sentir davantage. Allez, mon frère, on rentre dans tes appartements. La nuit te dira à l'oreille combien tu as été sot aujourd'hui. Mais il est invraisemblable, ce garçon-là. Enfin, je lui offre un joyau magnifique, et il réagit comme si les perles étaient fausses. Est-ce donc sa faute si son cœur garde encore le silence? Non, mais... Oh. Il y a autre chose. Chassaignan. L'humble Chassaignan, le très humble Chassaignan. Sais-tu que... C'est dans ces états qu'on conspire contre moi. Oh, il n'y est certainement pour rien. Ah, ça, je l'espère bien, sans quoi lui aurais-je offert Dinarzade. Mais j'avoue que je suis un petit peu moins sûr de son innocence depuis qu'il a réagi si étrangement quand je lui ai fait mon offre. Mais pourquoi ne pas lui parler de cette conspiration? Il vous aiderait à trouver les coupables. Ah, non, non. Ma police m'a supplié de ne rien lui dire encore. Oh, sire, Chassaignan et l'innocence même en son matin avec toute sa rosée céleste. Oui, oh, bah, toi, tu défends tout le monde. Oh, sire, pas tout le monde. Oui, bon, écoute, laisse-nous un instant, j'ai un mot à dire à Dinarzade. Venez à la lumière, que je vous vois. Ah. Dinarzade. Vous serez toujours pour moi l'inconnu qui couche à mes pieds. Moi, je veux que vous restiez cet inconnu. Et si je caresse votre joue comme je le fais en ce moment, ce n'est là que rapport de bon voisinage.
Moi qui peux me donner n'importe laquelle de toutes les femmes du royaume, je veux qu'il y en ait une que je n'approcherai point. N'écoute donc pas mon fantôme nocturne. Si jamais il veut descendre vers toi, tu n'auras qu'à me dire que tu es ma sœur. Rien que ma sœur, je comprendrai. Mais si je ne suis qu'un petit tapis au bas de votre couche nuptiale, et je n'aspire pas à autre chose. Ben, fort bien. Bonsoir, petit tapis, sœur de ma femme. Dors en paix si tu le peux après ce que je viens de te dire. À demain. Dans un an. Bonsoir, sire. Je couche au pied des grands. Je ne prends pas de place. Un coussin, un tapis suffisent pour ma nuit. Nuit, nuit après nuit, je risque ma vie. Le bourreau parti, me voilà trahi. Êtes-vous ici à pareille heure? Je cherchais un livre. Une histoire d'amour dans mon genre. D'amour malheureux. Mais que faisiez-vous là, vous-même, toute seule? On pourrait croire que deux amours malheureux peuvent faire un amour heureux, mais... en amour, deux négations ne valent pas une affirmation. Mais je suis parfaitement heureuse, Chassaignan. Vous n'en avez pas l'air. Et je m'y connais, en visage déserté par le bonheur. Mais je vous assure que vous vous méprenez, j'étais simplement venue dire un mot à Dinarzade. Et vous ne l'avez pas trouvée. Elle était là il n'y a qu'un instant. Oui, mais elle n'y est plus. À peine entrée dans ce palais, j'ai trouvé le moyen de... d'y installer la confusion et le ridicule. Je ne puis rien regarder sans y mettre de la laideur. Voyez donc. Cette bibliothèque est belle. C'est indéniable. Eh bien, je l'estropie de ma présence. Quand je suis là, les plus beaux livres sur leurs rayons cessent d'être des chefs-d'œuvre. C'est votre âme qui est tourmentée. Qu'a-t-elle donc? Rien. Mais si. Je suis un rien qui n'a rien et n'a droit à rien. Et pourtant, ce rien voudrait faire passer un éléphant blanc par un trou d'aiguille. Votre éléphant est en baudruche. Piquez-le de la pointe d'une aiguille pour qu'il n'en soit plus question. Je voudrais combler l'infini avec l'imagination d'une bête à bon Dieu. Mes seuls confidents sont les pauvres bêtes que j'imagine pour me tenir compagnie. Je suis un drôle d'animalier. Nous allons parler de vous à notre époux. Ah, c'est ça. À mon frère, qui voit en moi un insecte. Mais non. Un insecte. Ou un rat, quand il est en veine de générosité. Et vous, Scheherazade, vous êtes toujours sous le coup de son arrêt de mort. Allez, allez.
Nous sommes dans le même sac tous les deux. Chazenian, pourquoi avez-vous accueilli si distraitement l'offre de votre frère? Dinarzade est une fille admirable. Mais bien sûr. N'est-elle pas votre sœur? Chazenian. On vient. Je ne t'ai pas trahi, pourtant j'ai besoin de ton pardon. Mais le caprice du sultan est au-dessus de nos forces et de notre volonté. Je craignais de le mettre en colère contre toi encore plus que contre moi. Mais tu fais partie de son palais, petit tapis. Tout ce qu'il approche est à lui. Toi ou moi, aussi bien que les objets inanimés. Tous nos sourires, toutes nos larmes, tous ces sièges sont à lui aussi bien que cette tenture. Mon âme est à toi et je la lui déroberai toujours, Scheherazade. Tu es plus que jamais ma princesse, ma sultane. C'est beau d'être une belle lumière comme toi, mais il y a aussi beaucoup de douceur à être ton reflet palpitant. Mais veux-tu te taire, chérie? Tu es bien autre chose. Et comment pourrais-je vous en vouloir à toi et à mon sultan? Il ne m'a jamais promis fidélité. Il avait même juré de me faire couper la tête. C'est en quoi seulement il n'a pas tenu parole. Une seule chose me console, Scheherazade. L'édit du sultan me concerne maintenant. Et si nous devons aller à la mort, ce sera ensemble. Oui, ensemble, ma sœur chérie. Oh, sire, pourquoi ce trouble? N'avez-vous pas tous les droits? Que craignez-vous de deux condamnés à mort? Pourquoi vous cacher? Mais qui se cache? Non, j'ai eu simplement un mouvement de surprise en vous voyant ensemble. Je suis épris de vous deux, alors je ne sais de quel côté tourner la tête, comme si j'étais entre l'espoir et l'espérance. Et vous êtes notre sultan bien-aimé? Deux sœurs. L'unique est beau, le double l'est davantage. Double sont les yeux, les lèvres, les mains, tous ces parfaits serviteurs de l'amour. Oh, mes deux amis, vous avez logé une seule grande tendresse dans mon cœur. Ma chambre nuptiale a maintenant trouvé son équilibre définitif. La femme des nuées, la femme de la terre et moi qui vais de l'une à l'autre sans faire plus de bruit qu'un poisson dans les eaux profondes. Mon frère. Hein? Je voudrais te dire un mot. Ah? Oui, quelque chose d'important. Tu as bien voulu m'honorer en m'offrant Dinarzade comme épouse. Je me suis d'abord sottement récusé, mais j'ai réfléchi. Tu as réfléchi? Oui, profondément. Et j'accepte sans hésiter. Hier, tu m'as pris un peu au dépourvu. Excuse-moi, je suis toujours un peu lent. Mais tu comprends, ton offre au premier abord m'a paru un peu... abrupte. Oui, c'est le mot. C'est le mot. Et aujourd'hui, j'accepte sans hésitation. Vous avez entendu Dinarzade? Mon frère a réfléchi. Il accepte sans hésitation. Je reconnais que j'aurais dû accepter tout de suite ton offre splendide, mais j'y reviens de tout cœur. Il y revient. Au reste, je suis un jeune homme qui ne pourrait rester trop longtemps en état de veuvage. Au reste, vous comprenez, c'est un jeune homme, un intrépide jouvenceau. Il veut prendre Dinarzade à la cavalière tout de go. Se demandant même pas si sa demande n'est pas maintenant abrupte, comme il dit. Mais avec ou sans ta permission, mon frère, nous avons aussi réfléchi. Et puisque je suis moi-même un jeune homme qui ne déteste pas non plus les femmes, j'ai l'honneur de t'annoncer avec tous les ménagements d'usage en Parika que Dinarzade est maintenant à moi, Shahriar, que je m'emporte fort bien et qu'elle n'a pas l'air d'en souffrir non plus. Aussi, malgré toute l'affection que j'ai pour toi, je la garde pour moi tout seul. N'ayant aucun goût pour le partage de mes femmes, même en famille. Oh, j'ignorais absolument tes rapports avec Dinarzade. Oui, ça, tu es toujours le dernier à t'apercevoir de tout. Je m'excuse d'avoir été si peu opportun. Quand tu es là, je n'y suis plus. Ma cervelle confuse déserte mon crâne et reste stupidement à une certaine distance à me juger, à m'insulter en silence. Nous vous aimons tous beaucoup, Chazenian.
Ah, ben, ça, ben, parfaitement. Ça, nous t'aimons tous beaucoup. N'est-ce pas, Dinarzade? T'as plus rien à me dire? Non, mon frère. Je suis peiné d'avoir été si mal encontré. Non, tout le monde sait que tu n'as pas ce qu'on appelle l'esprit d'à propos. Mais enfin, chez toi, c'est un charme de plus, au montagnard. Si tu peux rentrer dans tes appartements, personne ne t'en veut ici. Va, mon ami, va retrouver le chef des eunuques. Il te procurera ce qu'il te faut en fait de femme. Va, trépide jeune homme! Comme vous avez été dur, impitoyable avec votre frère. Vous l'aimez donc si peu? Savez-vous que j'ai reçu un nouveau rapport de son sultanat? Des nouvelles cette fois-ci inquiétantes. On dit qu'il lève des troupes contre moi. Comment pouvez-vous soupçonner Chazé? Suffit! Il faut absolument que je sois renseigné et tout de suite. J'ai fait convoquer la plus experte des magiciennes pour qu'elle me fasse connaître la vérité. Officier de garde. La magicienne est là? Oui, sire. Fais-la venir tout de suite. Mais pourquoi ne pas vous ouvrir de vos inquiétudes à votre frère? Il vous éclairerait de toute sa franchise. Un chef d'État n'a pas le droit d'être naïf. Oh, Scheherazade. Sire. Je crois que je vais avoir besoin de vos services. Oh, c'est beaucoup d'honneur, sire. Non, entendons-nous bien. Je pourrais m'en passer. Mais je ne serais pas fâché de voir que vous pouvez faire vraiment. Oh, je sais faire pas mal de choses, sire. Tenez, regardez. Vous voyez cette agate? Eh bien, elle n'a pas toujours appartenu au règne minéral, non. Il n'y a pas 15 jours encore, c'était une magicienne fort belle. Mais comme j'avais eu à m'en plaindre, et pour l'empêcher de nuire, alors sire, la voilà. Avec l'autorisation de votre police. J'ai aussi ici un modeste silex. Voilà. Eh bien ça, c'était un bandit de grand chemin qui attaquait les diligences. Alors, toujours avec l'autorisation de votre police, je suis aussi au mieux avec des êtres surnaturels. Les effrites. Le cheval volant. Okay. À l'écurie, le cheval volant. Voici ce dont il s'agit. Il y a ici quelqu'un dont je me méfie. Je crains qu'il ne conspire contre la sûreté de l'État. Je voudrais connaître sa véritable pensée. Avez-vous un moyen? Oh, facile, grand sultan, très facile. Ce qu'il vous faut, c'est de la poudre de vérité. Vous en avez apporté une boîte, m'étant permis de deviner la pensée de sa majesté. Une loyale sujette ne doit-elle pas toujours aller au-devant des désirs de son maître? La personne qui prend cette poudre ne peut pas s'empêcher de dévoiler le fond de sa pensée. Les mots cachés dans le plus secret de son cœur lui sortent des lèvres comme de volages papillons. Cette poudre peut se prendre avec n'importe quel liquide, froid ou chaud, café, orangeade, citronnade, lait sucré ou non, et elle ne fait jamais, jamais mal à l'estomac. Vous en garantissez l'efficacité? Monsieur, ma magie est au-dessus de tout soupçon de défaillance. C'est un jeu pour elle d'obtenir des aveux. Elle qui peut transporter même fort loin toute une construction par la voie des airs quand souffle ma magie. Ma magie, mais elle n'est pas à toi la magie, si magie il y a. Elle appartient à l'État! Mais bien sûr, Majesté, je suis le plus loyal fournisseur du sultanat. Suffit, je suis pressé. Quelle quantité de poudre faut-il mettre dans le café du patient? Une pincée. C'est la dose qu'elle veut. Ah, et si on en donne davantage? La personne peut délirer un peu, mais ça ne tire pas à conséquence. Parfait. Je prends la poudre. Voilà. Le sultan est bien généreux. Sa majesté peut-elle me permettre de lui offrir, à titre absolument gracieux, cette superbe lunette. En appuyant sur le ressort, on peut voir la personne aimée. Ah non. La personne aimée, je préfère la regarder de mes yeux. Et non du fond d'une lunette, navette. Ça peut servir, on ne sait jamais. Le grand sultan n'aurait-il pas besoin d'un tapis volant absolument avantageux? Je lui laisserai au prix d'un tapis ordinaire. Non, je n'ai besoin que de cette poudre. Tu vas rentrer dans ce cabinet jusqu'à ce que j'en ai vérifié l'efficacité. Oh, j'attendrai donc, puisque le grand sultan n'a pas confiance dans ma poudre. Vous n'en voulez vraiment pas, il vole. Je t'ai payé, sorcière. Tu n'as pas à te plaindre. Oh, mais j'attendrai.
Voilà. Nous n'allons pas tarder à être renseignés. Une pincée de poudre dans son moka, il parlera aussi librement qu'un petit garçon devant son cheval de bois. Sire, vous n'allez pas faire cela. Pourquoi pas, je vous prie. Mon sultan, êtes-vous sûr que ce soit là un procédé digne de vous? Ma femme, de quoi vous mêlez-vous, Scheherazade? Qui commande ici? Hein? S'il a un secret, il me le dira bien mieux malgré lui. Mais je suis sûre de son innocence, j'en réponds. Moi aussi. Assez, les femmes. J'ai dit qu'il boira de ce café et il en boira. Hein? Je ne vous force pas à assister à sa confession. Je resterai. Alors je reste aussi. Oh, ça, j'en étais sûr. Officier de garde. Dites à mon frère de venir prendre le café avec nous. Défense absolue de le mettre en garde par quelques signes ou autrement. Alors, mon frère, hein? Aurais-tu oublié l'heure du moka? Oh, je suis en retard. Tu l'es toujours pour notre affection. Mon très cher frère. Nous avons reçu un nouveau moka d'Arabie dont on me dit grand bien. Il a certes l'arôme très fin. Très bien calculé, enfin, je veux dire très très parfumé, qui le rend incomparable. Et je veux, mon très cher frère, te le servir, moi. Mais je ne voudrais pas t'infliger ce soin. Ah, sache qu'on ne m'inflige jamais rien. À dire vrai, je n'avais pas envie de boire du café aujourd'hui. Alors pourquoi en prenez-vous? Non, mais vraiment, mais de quoi vous mêlez-vous, Scheherazade? Hein? Je connais mon frère depuis plus longtemps que vous. Son tempérament a besoin de moka. Ça lui donne de l'aisance. Il a suffi que tu me le serves pour que j'en aie le plus grand désir. Et exquis en vérité. N'est-ce pas? Noir breuvage, tu éclaires les cœurs les plus obscurs. Je comprends que des poètes et des conteurs chérissent le café. Celui-ci me fait venir, je le sens, beaucoup de paroles aux lèvres. Ma foi, c'est un café charlatan. Un café beau parleur, mesdames, ou si vous préférez, un café confidentiel. À prendre en surcompagnie. Tu es en famille. Tu n'as pas plus de secrets pour nous que nous n'en avons pour toi. Vraiment exquis. Je le bois jusqu'à la dernière goutte. Encore une petite tasse. Non, merci. Ma foi, je me sens extraordinairement à l'aise. Voilà que je deviens transparent. Ne te gêne pas, Chazaignan. Ouvre ton cœur à tes amis. La vérité cherche à se faire jour. Elle vient d'enlever son pagne devant tout le monde. Oh, pardonnez-lui. Non, ne t'inquiète pas de ça, Chazaignan. Oh, sire, vous n'avez pas le droit de regarder ainsi dans les âmes par le trou de la serrure. Je suis le chef de l'État. S'il a un secret, j'ai besoin de le connaître et vous n'avez qu'à vous taire. Chazaignan. Chazaignan, petit frère, j'ai reçu dernièrement un nouveau rapport de ton sultanat. On parle d'une révolte contre mon autorité. Des mouvements de troupes ont été signalés au pied de la grande montagne. Je me moque pas mal de la grande montagne, de mon sultanat et des mouvements de troupes par-dessus le marché. C'est mon cœur qui se met en ordre de bataille. À quoi penses-tu donc, mon frère bien-aimé? Son pied. Hein? Le pied de Scheherazade. Voilà ce que je veux. Oh, je ne suis pas exigeant. Je demande la partie la plus humble de son corps, celle qui foule le sol. C'est tout ce que peut souhaiter le rat que je suis, qui du monde ne connaît que le sol, les planchers, les caves, les soupiraux et les soupirs. Sire,
Et vous allez le laisser divaguer ainsi? Il faut absolument bouger. Qu'est-ce que je demande? À jeter seulement de temps à autre sur ma belle-sœur un regard qui se veut distrait. Mais... il est perçant, comme une dague de Damas. Un regard à son petit pied, un autre sur les mains, un autre sur les lèvres. Après quoi, pour fermer le circuit, je reviens à son pied. Alors c'est ainsi qu'on dispose des fragments de Scheherazade en attendant de s'emparer du reste du corps. Alors on n'est pas un eunuque, hein, petit frère? Regarde, il y en a dans ce palais, alors un de plus ou de moins. Oh, sire! Attention, mes amis, attention. J'ai gaffé l'autre jour en n'acceptant pas Dinarzade comme épouse. Entre nous, ça m'aurait permis de ne pas quitter sa sœur, parbleu. Oh. Mais c'est que je deviens fourbe, mes petits agneaux. La laideur de mon visage a gagné peu à peu mon âme, qu'elle a infectée. Je hais Shahriar. Depuis ma naissance, il se dit mon jumeau, mais n'a cessé de m'humilier en passant toujours le premier. Que le ciel le favorise d'un coup de foudre. Voilà pour lui. Oh. Scheherazade, tu voudrais être son amant, hein? Parbleu, canaille. Naïf canaille. Mais comment pouvez-vous faire le moindre cas du délire d'un rêveur? Mais tous les hommes, toutes les femmes ne connaissent-ils pas un jour quelque amour inavouable qui ne fait que leur traverser l'esprit comme le cri solitaire d'un oiseau de nuit? Celui-ci aime sa mère ou sa fille un instant de sa vie, cet autre sa sœur, celle-là son prêtre, que sais-je, moi? Tu connais toutes ces horreurs, toi? J'aime Scheherazade, c'est un fait. Il n'y a pas à discutailler là-dessus. Quant à Dinarzade... Connais pas papa. Vous connaissez la pureté de ma tendresse pour Dinarzade, qui vous dit qu'égarée par cette drogue infâme, je n'aurais pas moi-même révélé pour elle un amour corrompu. Ah, bah alors tu n'hésites pas à te souiller en public pour le sang. Mais vous savez bien que c'est mon seul amour de la justice qui me fait parler en ce moment. Dans le rang tes deux mains, toi, t'attrapes la justice. Vous ne me comprenez pas. Bon, ça, tu t'es toujours cru plus perspicace que moi, parce que chaque nuit, je feignais de croire à tes contes que je n'écoutais même pas. Mais regardez-le, sire. Pensez-vous qu'une femme qui vous a pour époux puisse s'éprendre d'un être aussi maltraité par la nature? S'il est laid, c'est pour mieux me trahir. C'est pure perfidie. Quoi de plus laid que le serpent? Sans corps, sans bras, la tête plate et tout froid. Voilà l'animal préféré de la femme. Chazaignan est mon frère, tant mieux. Il est mon hôte parfait. Il est mon vassal, délicieux. Il est contrefait, vive les contrefaits. Tout devient une raison de plus pour me tromper, comme si la femme avait besoin d'argument pour entrer dans le lit d'un homme. Attention, mes petits poulets, qui a dit que j'étais contrefait? Est-ce que je peux être beau quand je m'y mets? Je le dis à la face du ciel. Lorsque je m'approche de Scheherazade, je deviens resplendissant comme le grand lustre de la salle du trône. Alors... de ses mains lumineuses, je me mets à la caresser. Je te les ferai couper comme au voleur de grand chemin. Qu'on lui mette les menottes. Comment pouvez-vous être la dupe de toute cette folie? Regarde-le, son visage est un aveu purulent. Il ne sait pas feindre, comme toi. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ah, vous étiez là, Scheherazade. Et toi aussi, Shahriar. Alors, petit frère, hein? On s'endort libre et on se réveille avec les menottes. Mais lâchez-moi donc, vous me faites mal. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Pourquoi me lier ainsi les mains? Tu as avoué que tu étais l'amant de Scheherazade, canaille! C'est faux, tu en as menti. Comment c'est à mon cachot? Appelez-moi le bon. Sire, vous le regretterez. Est-ce que les pierres regrettent? Immédiatement! Sire. Tu n'as plus la parole, tu ne l'auras plus jamais. Sire, il est innocent! Milady va reprendre toute sa vigueur. Dans le rang, c'est mal. Dans le rang, te dis-je, le cachot. Si tu veux encore, toi. Ah oui. Tu traiteras Chazaignan, mon ex-frère. Et Scheherazade, mon ex-épouse, comme des voleurs de grand chemin. Les mains, sire. Les mains.
Et a-t-elle été satisfaite de ma poudre de vérité? Trop bonne. Beaucoup trop bonne. Eh bien, je suis heureuse que Sa Majesté en soit satisfaite. Trop satisfait. J'y vois trop clair maintenant. Je suis aveuglé par un horrible soleil qui n'est pas celui du ciel. Je vous engage vivement à disparaître si vous ne voulez pas que je vous mette vous-même au cachot. Sherazade. Oh, vérité. Dinarzade. Dinarzade, ne reste pas là, tu te condamnes à mort. Mais le sultan vient de s'endormir. Toute la nuit, il est resté assis sur sa couche, les yeux béants. Et les vagues d'indignation lui sautent au visage et couvrent sa bouche d'une écume insensée. Mais il t'aime toujours, il ne parle que de toi. Mon Shahriar, je ne pense qu'à lui. Oh, j'ai été un piètre avocat. Non seulement je n'ai pas réussi à sauver Chazénian, mais j'ai soulevé mon époux contre lui. Mais chérie, pourquoi n'adresses-tu pas une prière au cheval volant? Tu l'as toujours honoré dans tes comptes de tes attentions et de ta déférente rêverie. Mais je ne veux pas quitter ce palais. Même à travers 4 mètres de murailles, j'entends battre le cœur de mon époux. Mais ma sœur, sais-tu que le sultan aurait donné des ordres affreux à ton sujet? Je n'en crois rien. Il ne peut plus vivre sans moi. Tu es trop confiante. Somme toute, je suis à l'abri. Alors je reste avec toi. Je te le défends. Ta place est auprès du sultan. C'est auprès de son cœur qu'il faut monter la garde. C'est là que se forment les événements du royaume. Va vite. Je reviendrai. Sultane, je viens exécuter un ordre. Je m'en excuse. Qu'y a-t-il donc? Souffrez que je ne dise pas de quoi il s'agit. Ai-je montré jusqu'ici que j'avais peur de la mort? Il ne s'agit pas de mourir, Sultane. De quoi s'agit-il donc? Des mains de Sa Majesté. Que leur en veut-on à mes mains? Bon. Laissez-moi seule que je me coiffe une fois encore. Oh, servante de chaque jour. Oh, mes très chères menacées, oh, brûlante d'un seul amour, où veut-on à jamais glacer, loin du corps vivant seulette, sans les bras qui vous faisaient fête? Puissance de haute merveille, tendez une clémente oreille. Cheval volant, au secours! Toi qui n'es jamais pris de cours, cheval qui vole en mesure, toi qui traverses les toitures et pour qui les murs de prison fondent comme au feu les glaçons. Ô sultan de tous les chevaux, oh, mon bel ange chevalin, toi qui parcours le ciel sans frein, oh, chevalier plus que cheval, redresseur des torts d'ici-bas, donne-moi ta croupe et tes ailes, que je m'évade par le ciel. J'arrive du fond de l'aurore, haute dame, pour vous servir, et voudrais pouvoir adoucir mon regard, que sans feu dévore. Oh, prodige! Ce cheval parle! Il a l'accent de l'au-delà! Parler n'est pas plus difficile que voler pour un hennissant quand il est tout cœur, tout esprit avec sa robe d'infini. Nous sommes cheval qui se nomme. Je suis, tu es, il est, nous sommes.
Bien conjugué, cheval magique, survoleur de terre et d'eau. Et te voilà plus véridique que ma cheval de chair et d'eau. Je sais aussi être pratique. Et si j'accours de l'au-delà, c'est pour vous tirer au plus vite de votre terrestre embarras. Je vous offre mes ailes. Je vous offre mon cœur, madame. Je serai votre navigateur, votre humble serviteur. Je n'ai de l'animal que le nom de cheval. Moi, qui ne monte au ciel que si la cause est belle. Oh oui, ma bête exquise, chère aux apothéoses, vous ne serez requise que pour de nobles causes. Allons, ma sultane, en selle, là-haut, la vie est plus belle. Pour un galop terre à terre, je ne me dérange point. Je n'aime pas la poussière, même sous un souverain. Et tous les grands de la terre ne me supplieraient qu'en vain. Ma sultane est prête? En route! En route! Sans autre route que mon instinct. Majesté! Majesté! Quoi, tu oserais me traiter comme les voleurs de grand chemin? Majesté! Je n'ai pu vous laisser échapper. Trop tard, mon ami. Je suis déjà parti. Laissez-moi la voir. Attends un peu. Oh, oh Scheherazade. Laissez-moi la voir. Attends. C'est moi qui vous ai parlé du petit ressort. Chérie. Ah non, hein? Non, ça non. N'embrassez pas la lunette. Hein? Mais c'est ma soeur que j'embrasse. Mais elle est à moi. Oh, elle sourit, hélas, comme quand j'étais près d'elle. Laissez-moi la voir encore. Mais tu l'as déjà vue. Mais je ne vois pas du tout les murs du cachot autour d'elle. Je vois que Scheherazade. C'est parce qu'elle est innocente, sire. Laissez-moi la voir encore. Sire, par la fenêtre. Sire, par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, sire, c'est un prodige. Par la fenêtre, là, on voit un cheval volant et il y a deux personnes dessus. Et la sultane Scheherazade est l'une d'elles. Quoi? Oh, mon ange, tu t'es allégé de tout le poids de la terre. Et Chazenia aussi est sur le cheval. Oh, je vais être la risée de tout Bagdad. Ma femme et mon frère qui partent ensemble sur le même cheval, devant les yeux levés des 300 000 habitants de ma capitale. Mais cela ne signifie rien, ils sont partis sur ce cheval volant pour échapper au bourreau. Et la magicienne est avec eux? Voilà un chaperon qui ressemble à une maquereine. Plus jamais de la vie. Oh! Il prend presque le palais. Regardez comme votre frère a l'air malheureux. L'hypocrite. Oh, on ne voit plus maintenant que le cheval et ma douleur. Mais tandis que le cheval diminue à vue d'œil, ma douleur, elle, s'accroît jusqu'à obscurcir tout le ciel. Ils disparaissent du côté du panneau. Quelle merveille! Je te défends de regarder par la fenêtre, porteur de sinistres nouvelles. Tout le monde s'envole, et moi je reste rivé à mon palais de plomb. Sire, le palais s'envole dans les airs. Quel palais? Ce palais, sire, et nous tous avec. Vous êtes fou? Si sa majesté veut bien se donner la peine de regarder par la fenêtre, nous voguons dans le bleu, nous aussi. Et la nuit qui descend rapidement. Oh, sire, que faut-il faire? Qui fait que mon palais monte tout droit vers les autres mondes? Est-ce un fil de magicienne qui dans les airs le promène comme fait d'un cerf-volant le poing léger d'un enfant? Non, c'est le roi Shahriar dont la puissance est sa gloire. Dinarzade, je te nomme dame d'honneur des étoiles. Tu serviras Scheherazade, qu'est la cour à pleine voile s'abriter dans notre rade. Un roi est un roi partout,
même quand il ne sait où. Belles étoiles qui passaient, écouterez-vous ma demande ou n'oserez-vous que passer? Redonnez-moi, Scheherazade, sans elle je perds mon chemin. La mort me tire et me réclame. Je ne suis qu'une pauvre femme qui ne sait plus quand elle a faim. Au nom du ciel, je te réponds que bientôt nous la reverrons. Qu'importe où nous descendrons, et si nous nous fracassons le crâne sur notre terre, nous n'avons qu'à laisser faire. Ce sera noble fracas dont le monde parlera. Tu vois bien que le pilote était bon. Sire, nous sommes entourés de précipices. N'est-ce pas là ce qu'on appelle des montagnes? Et cette chose blanche, étincelante, est-ce ce qu'on appelle la neige? Je pense que oui. Oh, palais de Bagdad, mon beau palais citadin. Habitué aux mille bruits de la rue, que vas-tu devenir? Avec tes larges fenêtres qui donnaient sur des jardins et des jets d'eau, et qui ouvre maintenant sur le granit glacé de l'altitude. Dinarzade, ai-je dit au bourreau de couper les mains de Scheherazade? Pas pour moi, sire. Il faut absolument que je sache ce que la reine est devenue. Mon instinct m'indique que par là, quelqu'un pourra me renseigner. Ce n'est pas son instinct, mais mon fluide qui l'a fait sortir par là. Je peux parfaitement faire de votre frère tout ce que je veux. Tenez, je vais le faire siffler. Vous entendez, sire? Sire! Sire, je viens de voir l'invraisemblable devenir vrai sous mes yeux. J'étais, à l'instant même, avec le bourreau Abdelmalek tout essoufflé qui venait en grande hâte vous dire la vérité au sujet de la reine. Je le précédais pour venir vous annoncer sa venue. Soudain, je me retourne comme quelqu'un qui sent qu'il n'est plus suivi. Abdelmalek avait disparu. Voilà ce que j'ai retrouvé à sa place. Tant de hâte était devenue cette tortue. Avait-il exécuté mes ordres? Si je vous renseigne, il m'arriverait la même chose que lui. La magicienne ne pardonne pas. Et dans ce pays perdu, je suis bien obligé de lui obéir. Un lâche, moi je ne crois pas à toutes tes histoires inventées par la peur. C'est vrai, sire. Il s'agit bien là de l'officier bourreau Abdelmalek. Malheureusement, lui seul peut vous donner des nouvelles de la reine. Interrogez donc la tortue en toute liberté d'esprit. Magicienne, vous qui êtes si puissante, je vous en... Oh, si je vous trouble, Majesté, je peux parfaitement m'écarter. Tortue. Petite tortue chérie, ex-officier bourreau, donne-moi des nouvelles de la reine ou je deviens fou. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis rien. Tortue, réponds-moi et je te nomme général de ma police. Tortue, sainte tortue,
brave officier plein d'avenir. Ça n'est quand même pas si difficile à dire, la reine va bien. Tortue. Qu'as-tu fait des mains de la reine? De ses pauvres mains? Vous ne savez pas vous y prendre. Enfin, j'ai pitié de vous. Vous allez boire ce café bien chaud. La reine est au fond de la tasse. C'est peut-être la mort, peut-être pis encore, ce que vous me donnez là. Mais je bois à la santé de la reine. Eh bien? Eh bien, j'ai bu. Ça ne vous suffit pas. Vous ne sentez rien de particulier? Non, pas encore. Il faut attendre que cela opère. Cette fois, vous allez voir la reine en personne. Oh! Je vois. Une petite fille dans un jardin de délices. Oh, comme elle est belle. À qui ressemble-t-elle? À Scheherazade, quand elle était enfant. Mais, comme dans un rêve, c'est elle, ce n'est pas elle. Demandez-lui son nom. Elle ne veut pas me le dire. Insistez. J'ai beau insister, elle garde le silence. Caressez-la. Quand si je la touche, elle ouvre des yeux effrayants et gagne le large. Courez derrière elle. Je ne peux pas. Je suis rivé à ce trône. Mais vous n'êtes pas sur un trône, vous êtes sur un bourricot. Allez, trotte, bourricot, trotte. Je veux rattraper l'amour de la reine, la beauté de la reine, l'estime de la reine. Trotte, bourricot, trotte. Oh, veux-tu ne pas t'accrocher à moi, sangue? On doit me faire voir la reine, je ne la vois toujours pas. Ne regardez, prenez la peine, elle vous montre ses apports. Quoi? Cette horreur cassée en trois, appuyée sur le bâton très noué des centenaires. Oh, sire, je suis bien la sultane Scheherazade. Voilà ce que vous l'avez fait devenir. La reine n'a rien à voir avec ce souillon. Écartons-nous de ce vivant précipice. Oh, vous ne savez pas regarder. Et vos yeux se font des idées. Il fallait voir la reine quand elle montait l'escalier nuptial. Oh. Croûte jaune, brise-toi. Ô vieillesse, lâche-moi. Ô froide horreur de l'âge, libéré corps et visage. Redresse-toi, mon échine, et que plus rien ne t'incline. Des ruines, je m'évade, je redeviens Scheherazade. Ce bras que tu caches, Scheherazade, cette main bien aimée. Vous mériteriez que je vous la cache pour le reste de vos jours. Oh, Scheherazade retrouvée avec ses paumes vénérées à l'exacte place que l'immense nature leur avait assignée. Shahriar, j'ai à te parler. Oui, moi aussi. Commence. Non, parle-toi. Je t'ordonne de parler le premier. Chazénian, je ne veux plus régner. J'abdique en ta faveur, je t'offre la couronne. Faut-il que tu tombes de haut pour offrir ta couronne à un insecte? Mais sais-tu que ton cadeau est empoisonné? Que tes sujets commencent à te détester? Mes sujets déjà t'aiment sans te connaître. Ils ne veulent plus d'un tyran. Accepte, Chazénian. Je ne puis accepter ton royaume, Shahriar. Je n'ai aucun goût pour l'autorité imposée. Je suis sans ambition. Les ambitieux finissent toujours par s'en prendre au sang de l'innocence. Ton ascendant sur le peuple sera d'autant plus fort que tu auras injustement souffert.
Alors c'est mon malheur que tu couronnes. Et je montrerai le chemin au peuple de mon bras mutilé. Chassaignan, je te demande pardon. Mon charrière, tu ne te doutes pas de ce que m'a coûté mon effort pour te faire sentir ma rancune et ma puissance. Cela m'a plus fatigué que ma blessure. Alors, tu tiens vraiment à abdiquer, mon frère aîné? Oui, Chassaignan. Tu crois vraiment que je pourrais? Ça, j'en suis absolument sûr. Il y a quelqu'un dans ce vaste monde qui saurait m'aider à régner. Oui. Dinarzade. Dinarzade? Dinarzade? Dinarzade! Ma sœur, Chassaignan te cherche. Sais-tu que maintenant son visage est aussi beau que son cœur? Il est superbe. Mais est-ce que tu crois que ça va durer? Mais certainement, la magicienne dit qu'il en a au moins pour 100 ans. Oh, mais c'est merveilleux. Dinarzade, Dinarzade! Mais où étiez-vous donc passé? Le nouveau sultan demande votre main. Je la lui donne avec mon cœur. Ah, mon frère, Dinarzade est sur la plus haute montagne du bonheur. Petit tapis, grâce à vous, nous allons vivre le miracle qui attendait en nous son moment. J'avais une haute couronne qui savait me faire fête. Oh, ma couronne, ma couronne. Qu'importe à des amoureux un cercle d'or dans les cheveux? C'est l'amour seul qui nous conduit, nous deux, une profonde nuit. Il n'est pas de bonheur plus pur pour l'amour que de vivre obscur. J'ai reçu tant et tant de coups que je m'en vais mourir d'un coup. Gâté de ma tendresse. Vous n'allez pas mourir du tout. Tandis que sur moi je la presse, votre détresse se dissout. La douceur de mon Bagdad, il me semble que je n'aurais pas su m'y prendre pour mourir, mais ici, ça se fait tout seul, au milieu de ces montagnes hideuses. Mais regardez donc, mon époux, elles ont à jamais disparu, ces montagnes rébarbatives. Et ne voyez-vous pas partout le visage diffus de la confiance en la vie? Cette lumière d'or et de mélodie, ne serait-elle pas celle de Bagdad? Votre palais ne serait-il pas revenu tout doucement, comme sur un plan huilé, à son port d'attache? Et quoi, sans une hirondelle entrant par la fenêtre? Sans un nuage, sans une étoile, dans sa suprême modestie? Mais seulement le parfum des orangers en fleurs. C'est Bagdad! Force lui fut de reconnaître le brouhaha de la capitale qui entrait par les fenêtres ouvertes et les cris des chameliers et des porteurs d'eau. Eh oh les chameliers, eh oh les porteurs d'eau, regardez le palais qui revient au berceau. Gloire à notre sultan revenu! Ô sultan, n'avez-vous pas quelque chose à dire au maire de vos sujets? L'édit est révoqué, mesdames. Vénérez votre nouveau sultan Chassaignan qui a souffert comme vous. Ô mon peuple, je compte sur vos épreuves et votre courage pour m'apprendre un peu la grandeur. Longue vie au sultan Chassaignan. Et les crimes de Shahriar
entrèrent à petits pas dans la légende pardonneuse. Et le pays fut si bien gouverné par le nouveau sultan qu'on n'eut plus besoin de bourreaux ni de miracles. Et les magiciennes perdirent peu à peu leur pouvoir. Oh ! C'est vrai que je ne sais plus rien faire de mes 10 doigts. Et le seul miracle qui survécut longtemps fut celui du cheval volant que Scheherazade entendait parfois hennir au fond de sa mémoire reconnaissante.